Depuis qu'il y a des automobiles au monde, depuis que la passion des chevaux vapeur a remplacé celle des chevaux tout court, on n'avait jamais vu pareille fête. Pour tous ceux qui adorent les moteurs déchaînés et les roues agiles, le 19 juillet 1970 restera une date inoubliable, les cigales. D'où sortent-ils tous ces gordinistes fervents de la même religion ? Encore des Gordini qui viennent faire la fête avec leurs sœurs. Gordini étaient au rendez-vous avec 10 000, 15 000 gordinistes pour qui le sport automobile s'appelle Renault. Le merveilleux climat moyen d'information a été entendu d'un bout à l'autre du monde sportif et au-delà. Le Castellet est devenu la capitale éphémère des rêves de tous les jeunes. De la R12 Gordini. Le bonheur n'est pas parfait quand il y manque un zeste de nostalgie. Cette fête est à la fois un adieu et un baptême. Un adieu à la Renault 8 bleue, le jouet de toute une enfance automobile. L'âge de la Renault 12 commence, une Gordini s'en va, vive la Gordini. Sur le circuit du Castellet, des Gordini voitures bleues à bandes blanches, des torches vertes, des torches rouges, des phares jaunes, sillonnent ce circuit le jour G est ouvert. Les totems d'une religion bizarre. Les gordinistes sont comme un peuple à part, initiés au plus extrême plaisir automobile désintéressé. Ils se reconnaissent, ils se saluent d'un coup de fin, et c'était très beau, très tendre aussi. Enfin, de toute façon, là, c'est l'ambiance est extraordinaire et nous sommes très au regret que vous ne soyez pas là tous ici, que vous ne soyez pas tous gordinistes pour pouvoir profiter de ces journées. Les journalistes les plus blasés n'en sont pas encore revenus. À vous, Paris. L'heure H du jour G, le départ de la première manche de la Coupe. Si le bleu de France est revenu sur les grands circuits internationaux après une si longue éclipse, c'est en grande partie grâce à l'opération Gordini. La coupe a rendu aux jeunes Français le goût de l'empoignade mécanique, pas seulement au sommet, mais à la base. Ouais, vas-y. C'est bon ça.